Et on mange pas mon pull. Swag. Swag. Tu manges pas ça. Bonjour à tous, c'est Melinda et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Swag qui est juste par terre. Il vient juste de sauter du fauteuil et d'aller en dessous et de faire des bêtises, manger mon tapis, manger un goupillon. Après ça, c'est pas. Allez, Swag, allez, viens, dis bonjour à la caméra. Bonjour, bonjour. Donc cette vidéo sera une vidéo où j'ai filmé ma journée à l'école. Bon, c'était pas une journée comme les autres. C'était une journée où il y avait des profs absents, etc. Donc j'ai pu faire plus de choses que d'habitude je ne peux pas faire. Et je vous montre aussi mes amis, car je me suis fait des amis. Elles vont sûrement voir cette vidéo, donc je leur fais un petit coucou. Je vais aussi vous expliquer mon programme, mon horaire. Oui, je le surveille hein, parce que j'ai fait des bêtises, il m'a mangé les câbles, etc. Et j'ai pas envie qu'il mange les câbles. Soit il ne mange pas les câbles. Donc c'est parti avec les petits extraits de ma journée. Donc voilà, il est 7h05, je suis dans ma voiture et je me dirige vers le métro. C'est parti. Donc voilà, je suis arrivée et j'ai oublié ma gourde, donc j'ai acheté ici dans la machine. Et maintenant je vais monter pour sortir. Je suis sortie du métro et on est en ville comme vous pouvez le voir. Et maintenant je vais marcher jusqu'à mon école. Ça prend plus ou moins 10 minutes. Il n'y a exactement personne dans les rues. Je suis toute seule. Il n'y a pas beaucoup de monde, genre il y a 2-3 personnes, mais vraiment regardez, c'est complètement vide. Là, il y a le Smell Safari. Et voilà, donc là, je vais essayer de marcher assez vite parce que j'ai pris un peu de retard. Le métro, il a un peu bugué et tout. Mais vu qu'il n'y a personne, je peux enlever le masque. Donc voilà, le métro, ben, il est resté bloqué. Je sais pas, il y avait un problème avec celui de devant. Donc on a dû attendre. Donc là, je vais vous montrer l'heure. Ah oui, et aussi un autre problème, mon AirPod il est plat, donc j'ai pas de musique. Et ça, ben, c'est le seum parce que je peux pas écouter de musique. Donc voilà, il est 7h45 et il faut, genre à 55, je dois être à l'école, donc j'ai 10 minutes quoi. Donc ça va, mais je sais pas, je préfère être à l'avance. Oui, il y a vraiment personne. Hein. Je suis toute seule. Donc voilà, là je vais marcher jusqu'à l'école et on se retrouve quand je suis devant. Hein. Voilà, là je suis arrivée à l'école, donc je vais vous montrer. Juste ce bâtiment là et voilà, donc maintenant j'y vais et on se retrouve là bas je vous filmerai quelques endroits. Par contre je peux pas parler à l'intérieur. Donc voilà, on est en fourche. Donc voilà, on est en fourche car mon prof de science n'est pas là. Donc je suis avec les filles de ma classe et elles vont se présenter une par une. C'est une Attends, mais si tout le monde parle, on va pas m'entendre. Vas-y. Donc bonjour, moi c'est Oriane, j'ai 14 ans, je suis à l'école des Beaux-Arts et je suis dans la classe de Melinda. Ok, vas-y. Allez, c'est pas grave. Non, je vais bien le faire. Ok, vas-y Sarah. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans, je suis à l'école avec Melinda aux Beaux-Arts. Je fais des cours de ballet et de danse contemporaine avec elle. Et voilà. Ah oui, et Oriane aussi, elle fait de la danse contemporaine avec moi. Ah oui, ça c'est du ballet. Voilà, on vient d'apprendre qu'on est licencié à 12h40 car ma prof de danse n'est pas là. Alors qu'elle avait dit qu'elle serait jamais malade. Donc voilà, là on est arrivé, là on va manger. La moulie, ok. Et on va manger ici. C'est pour ceux qui veulent. Je sais pas le nom, c'est ici. Voilà. Et voilà, donc on va manger ici. Moi j'ai pris un tandoori saumon. Nous trois, moi, Sarah et Oriane. Et la fille qui est avec nous, elle a pris, t'as pris quoi? Le numéro 13. Le numéro 13, pour ceux qui veulent. Ça c'est à moi, ça c'est à une amie. Ça c'est à Sarah et ça c'est à Oriane. Et maintenant on va manger, ça a l'air ultra bon. Attends, je peux même foutre plus. Voilà, elle se cache la tête, au moins elle la voit pas. Très bien. Et voilà. Tout le monde fait des stories Insta. Donc voilà, on va déguster ça. C'est parti. Vous dites votre avis. Le tel, j'espère, il va pas tomber. C'est trop bon. Regarde, Oriane. Ouais. Et Melinda aussi. On a un truc bizarre. Comme ça. Pourquoi il n'y a pas des baguettes? C'est ultra bon. Tu mets combien sur 10, Sarah? 9. 9. Moi, c'est encore plus bon. Combien sur 10?
9. Et Oriane, bah, son temps, elle prend son temps. 9,5. Moi, je donne 9,5 aussi. C'est très bon, c'est juste qu'il y a un peu de salade et je sais pas ce qu'elle vient faire là, la salade. A fini de manger là-bas, il y a une personne bizarre. C'était trop bon. Ouais, on a bien aimé. Maintenant, on va aller au Dunkin' prendre une boisson et il y a déjà, ils vont prendre des donuts. Et voilà. Yes. Tu veux pas montrer le Père Noël? Si, je l'ai montré. Ah, yes. On a pris un donut, tout le monde va mordre dedans une fois. Et on a pris une boisson, elles vont boire une gorgée et j'ai bu le reste. Donc voilà, on a notre commande. Trop bon. Donc voilà la boisson là. Tiens. Et le donut. Bon, qui est comme ça. Je vais l'ouvrir. Donut. Je sais pas. Alors, ouais. Oriane boit sa gorgée. Première gorgée. C'est bon? C'est trop bon! Oh my god. Non, c'est hyper bon. Ok, on attend. Pas genre une poubelle. Mais comment on va retenir nos pailles? Attendez. On s'en fout, attendez, j'enlève mon masque. Ah oui, mince. Bon, ben, Covid, vraiment. Je crois qu'il goûte c'est très bon ça. Et troisième personne anonyme. Anonyme, et voix. Attendez, quatrième personne. Impression. Waouh. T'aimes bien? Comment on va reconnaître les pailles en fait, les gars? On va pas reconnaître. C'est pas grave. Alors, Sarah? Bon, moi je prends un petit bout. Hein. Je goûte le truc là. C'est trop bon. T'aimes bien? Ok, maintenant le donut. Oriane. Il y a un truc au mieux. Ouais, c'est de la crème. La crème, c'est ça, la saumon. C'est bon? C'est hyper bon. Je sais pas si on vous voit bien. On la voit tant pis. Tiens, prends la boisson. Alors? C'est bon? Ok, personne anonyme, goûte. Personne anonyme? Super, un pouce. Ok, parfait. Je peux goûter? Un pouce. Wow, t'as beaucoup de crème. Ah, c'est okay. Trop bon! J'aime trop la crème. Attends, c'est pas ça. C'est trop bon la crème. Ouais, c'est hyper bon. C'est ultra bon. Donc non, voilà, on va faire un petit shooting photo. On va faire des photos, des stories, des TikTok, etc. Et moi, je vous retrouve après. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, on a fini de faire notre petit shooting photo et TikTok. Bref, elles m'enverront tout. Et là on va aller au magasin de coque parce que Sarah va absolument s'acheter une nouvelle coque. Là on est au H&M avec les filles. Et on va chercher un t-shirt parce qu'on veut floquer un t-shirt et voilà. T'as rien prêt pour finir, on va revenir lundi et on verra si on trouve un truc parce qu'on n'a pas trop le temps. Là les filles, il est quelle heure? Il est 14h28 et moi je dois être rentrée à 15h30. Donc là on passe au truc de coque. Comme vous voulez. Ouais. On passe au truc de coque et après on rentre. Voilà, là j'ai fini mon petit shopping avec les filles. Et on va prendre le métro. Super, on retourne. Et maintenant, je vais retourner chez moi. Maintenant, je suis dans ma voiture et on est direction la maison pour que je puisse me changer et faire mes cheveux. Et ensuite, on ira à la salle. Donc voilà, là vous venez de voir un peu toute ma journée à l'école. Donc maintenant je vais vous expliquer mon horaire, etc. Donc on va commencer comme je viens de vous dire par mon horaire. Donc ça c'est mon magnifique journal de classe. Donc voilà comment j'ai fait. Vous pouvez un peu voir, hein, vous n'allez pas bien comprendre. Tout ce qui est en vert c'est maths, français, néerlandais, anglais. Tout ce qui est en rose c'est danse. Tout ce qui est en jaune c'est histoire, géo et sciences. Donc j'ai que ça comme cours à l'école. Et j'ai aussi religion et spécial. Donc voilà un peu l'horaire. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus, d'activer la petite cloche, de me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et si c'est toujours pas fait, de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous.